Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, celle-ci c'est une vidéo que vous êtes nombreux à attendre puisqu'elle va parler des des Speed paint de chez Army Painter, la toute nouvelle gamme qui vient en compétition directe avec les contrastes de chez Citadel et dans une certaine mesure avec les Instant color de chez Scale 75. Alors sur cette gamme, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire trois vidéos. Je vais faire cette première vidéo qui sera plutôt un, une sorte d'unboxing qui va permettre de voir un petit peu ce que le pack contient. Là, j'ai le pack donc le, le méga set, c'est-à-dire que là il y a toutes les euh, speed paint actuellement disponibles sur la gamme Army Painter. Donc, on va ouvrir ça ensemble, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et à la fin de cette vidéo, ce que j'ai prévu de faire aussi, c'est euh, de vous montrer bah, l'ensemble des couleurs que ça donne sur une figurine sous-couchée en blanc. Donc là, j'ai prévu c'est par ici. Hop. Des petits night hunt euh, de Mortal Rims, et donc du coup, je vais simplement passer une couche de chacune de ces couleurs sur le night Haunt. Comme ça, ça vous permettra d'avoir à la fin de cette vidéo un catalogue avec la speed paint et la couleur sur la figurine. Et ça, je pense que c'est pas mal parce que comme vous le savez, c'est aussi le cas un petit peu sur les contrastes. Finalement c'est pas toujours évident de se rendre compte exactement quel va être le rendu, là au moins vous aurez cette vidéo comme référence pour pouvoir bah, vous y référer, hein, <laughs> pour savoir quelle est la couleur euh, que donne chaque speedpaint. Donc ça c'est pour la première vidéo, et ensuite il y aura deux autres vidéos, sur ces deux autres vidéos on va donc comparer les speedpaint avec les autres gammes, donc notamment avec la gamme contraste et aussi avec la gamme instant color, j'avais déjà fait une première vidéo dans ce style en introduction quand j'avais reçu les premiers échantillons de chez Army Painter, donc là on va pousser ça un petit peu plus loin en regardant bah, plus précisément chaque couleur en comparaison de la couleur la plus proche chez notamment la sur la gamme contraste ce que ça donne je ne pourrais pas le faire sur l'ensemble de la gamme Army Painter parce que je n'ai pas l'ensemble de la gamme euh, contraste mais je ferai avec ce que j'ai, euh, là j'ai déjà quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 références. Ça permettra quand même déjà d'avoir une belle comparaison. Et ensuite, la troisième vidéo, ce sera un petit défi peinture où on va essayer de peindre. Alors je ne sais pas encore quoi exactement, mais on va peindre une force, une armée, quelque chose en tout cas de complet, avec uniquement du speed paint et on verra ce que ça donne. Bref, on part tout de suite sur cette première vidéo, donc sur l'unboxing. C'est parti. Alors, eh ben du coup, on va commencer tout de suite par ouvrir ce pack. Donc, je le rappelle, hein, c'est le, le Speed Paint Mega Set de chez Army Painter. Euh, c'est parti. Là, je ne l'ai pas du tout ouvert, en fait, euh, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, je ne l'ai vraiment pas testé avant de, avant de faire la vidéo. Euh, donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Et d'ailleurs, vu que je le découvre en même temps, évidemment, je ne trouve pas le petit scalpel qui va bien. Donc là, du coup, vous avez peut-être remarqué, j'ai préparé, euh, préparé ça. Donc ici, en fait, on a la petite aparté. On a la palette en verre de chez Redgrass euh, que je trouve... Particulièrement pratique pour toutes les peintures qui ne s'utilisent pas sur palette humide. Et vous le savez aussi, si vous me suivez depuis un moment, euh, tout ce qui est donc, euh, alors j'allais dire speed paint, euh, pour en tout cas celles que j'ai testées, mais euh, les, les contrastes, les lavis, tout ça, euh, je ne suis pas trop fan de, utiliser, de les utiliser sur, euh, sur palette humide, les encres non plus, je suis pas fan. Donc, du coup, bah, je préfère l'utiliser sur ce type de palette. Donc, là, c'est vraiment l'idéal parce que c'est une palette en verre qui se lave très très bien. Et euh, du coup, ça permet de, de garder une surface qui est très propre, euh, qui est très lisse euh, pour pouvoir utiliser ce type de peinture. Donc, voilà, moi ça me convient très bien. Et étant donné qu'on est sur de la speed paint, j'allais dire de la, de la peinture type contraste, mais euh, bon, là on est sur du Harry Painter, donc on va dire de la peinture type speed paint. Alors, je vais peut-être refaire la mise au point qui est pas top. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc du coup on va ouvrir ce pack pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on est sur le pack classique, euh, classique Army Painter, hein, leur carton, leur packaging très classique. Alors si je retourne le pack quand même, euh, on a ici donc toutes les... Euh, le résumé de toutes les couleurs. On verra si, euh, si on peut se fier euh, à ces couleurs-là. Je sais que euh, c'est variable chez Army Painter. Il y a des moments où euh, la couleur qui est représentée sur... Ce, ce petit hexagone là euh, notamment pour les games classiques est assez fiable parfois ça l'est quand même beaucoup moins donc du coup on va voir ce que ça donne ici euh, on pourra faire un petit comparatif une fois qu'on aura qu'on aura peint toutes les tous les night Haunt. Hop, donc ça c'est fait, donc on a toute la, la petite doc euh, classique hein, de, chez, de chez Army Painter que vous connaissez probablement si vous avez déjà acheté des produits chez eux. Euh, voilà, avec des petits tutos, des petites recommandations. Là, il, toujours, on a toujours ce, ce processus hein, de sous-couche peinture et euh, le dipping dans leur, dans leur quick shade. Bref, euh, tout ça je vais passer, on revoit un petit peu leur gamme, tout ça, donc euh, pour si ça vous intéresse, vous savez qu'il y a ça dedans, toujours, ça peut toujours être utile. Moi, étant donné que j'ai déjà pas mal de produits de leur gamme, bah, c'est vrai que ça je le connais déjà très bien. Alors, ensuite, bon bah, un packaging qui est euh, somme toute assez classique hein, chez eux, encore une fois, euh, pas de fioritures. Là, c'est juste euh, des, des petits rangements comme ça. Euh, honnêtement, de toute façon, moi, c'est pas quelque chose que je réutilise par la suite, donc ça me va très bien. Au contraire, hein, si euh, s'il y a moins de plastique, euh, ça me va. Euh, donc, du coup, on a bien toutes les contrastes. Euh, la petite boulette, bien sûr, Ça, je ne pouvais pas y couper. On a bien toutes les speed paints et on a aussi, hop, dedans, je crois que c'est celui-ci, voilà, le médium, euh, le médium qui est fourni avec. Alors, pour le coup, euh, la première chose qu'on constate, c'est que du médium, bah, il n'y en a pas des masques. quoi. C'est un tout petit format, c'est le même format que le speed paint, donc euh, pour ceux qui auraient l'habitude on va dire d'utiliser de, de, euh, les, les, ce type de peinture euh, ben en dilution 1 pour 1, par exemple, euh, et bien là, du coup, on a, de quoi, on a de quoi utiliser un pot entier, et après, il faut racheter du, du médium. Donc, euh, je ne sais pas s'ils vont faire en sorte de fournir un format plus grand. Que celui-ci, mais c'est vrai que c'est la première constatation que je peux avoir c'est que le médium, pour ceux qui l'utilisent beaucoup, euh, bah, il n'y en a pas des masses. Donc peut-être qu'il faudra tester si ça fonctionne aussi avec d'autres médiums qu'on peut avoir en plus grande quantité. Euh, parce que c'est vrai que si d'habitude je dilue principalement mes peintures à l'eau, euh, tout ce qui est contraste, speed paint, euh, éventuellement les lavis quand je les dilue très fortement pour en faire des glacis. Là, j'ai plus tendance à partir sur du médium. Donc, du coup, euh, voilà. C'est quand même un petit truc à prendre en compte. Maintenant, on va voir ce qu'il y a d'autre dans ce, dans ce pack. Donc, en termes de couleurs, bon, bah, là, il n'y a pas non plus énormément de surprises. Hein, parce que, encore une fois, on a tout qui est, euh, on a tout qui est résumé ici. Mais du coup, euh, si je reprends, d'ailleurs, je vais reprendre le pack. Ce hein, sera plus simple que de chercher chaque pot. Mais on va avoir euh, deux rouges différents, un orange. On va avoir deux jaunes différents. Qui, dont un qui va tirer plus sur le, le marron un peu. Puis ensuite, on va avoir ici du marron clair, du marron très foncé, une peau, deux, euh, deux violets, alors un violet qui est plus rose et l'autre qui est plus violet bleuté. Puis ensuite, on va avoir du coup 1, 2, 3, 4, 5 verts. Avec des teintes différentes. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est très pâle, hein, qui va plus être proche du blanc cassé, euh, qui va probablement servir pour faire des peaux très claires, voire des ossements. Puis ensuite, on va avoir euh, un vert militaire un peu clair, un vert camo, un vert beaucoup plus saturé, type euh, peau orque. Hein, c'est pour ça, j'imagine, qu'ils l'ont appelé comme ça. Et ensuite, on va avoir un vert qui est quand même très foncé. Puis ensuite, on va avoir deux bleus. Alors, c'est vrai que ça me surprend pour le coup euh, d'avoir euh, d'avoir plus de vert que de bleu, alors je dis de, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a aussi le Cloud Burst ici qui est un bleu très désaturé mais qui est un bleu. Donc on va avoir un bleu très foncé, très désaturé, on va avoir un bleu euh, qui est euh, un peu plus saturé mais qui est foncé, et ensuite un bleu saturé qui est clair, enfin qui est moyen on va dire. Puis ensuite on va avoir toute la gamme gris, euh, donc gris clair, bleuté, gris foncé, bleu, euh, black, j'allais dire noir, et donc le blanc. Donc ça couvre quand même une belle. Euh, une belle gamme de couleurs, celle dont je n'ai pas parlé, Plasmatic Bolt, qui est un espèce de bleu turquoise qui, qui navigue entre le bleu et le vert, donc euh, on a a priori une belle palette de couleurs. Euh, on va voir ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les, de les ranger euh, en, comme pour créer euh, un cercle chromatique, on va dire, enfin sur, sur une ligne, euh, et on va voir si ça complète un petit peu tous les trous. Avant de faire ça, la dernière chose à mentionner sur cette ouverture, c'est que ici, hop, désolé pour le petit clac qui a dû être bien sympathique. Si on arrive à ouvrir. Alors, voilà. Donc, on a aussi qui est fourni un pinceau de leur gamme blanche, de leur gamme Wargamer. Donc là, c'est un gros pinceau hein, qui n'a qui pas, pas pour ambition d'être très précis. Mais je pense que c'est le type de pinceau qui peut être utile justement pour utiliser ce type de peinture quand on veut faire... Quand on veut faire des gros passages, donc ça, bah, c'est plutôt intéressant. Ça permet, euh, par exemple, pour quelqu'un qui débuterait la peinture et qui n'aurait acheter que peu de pinceaux dont un bon pinceau bah ça permet d'avoir un pinceau supplémentaire pour utiliser ce type de peinture et ne pas flinguer son bon pinceau donc ça c'est plutôt pas mal en tout cas on le prend ça fait partie du pack c'est clair qu'on fera pas des yeux avec ce pinceau mais pour faire une couche de speed paint, je pense que ça peut vraiment être intéressant donc on essaiera justement de peindre avec ça tout à l'heure donc là je vais couper un peu la caméra juste pour pas perdre de temps je vais mettre toutes les toutes les euh, comment dire toutes les peintures de manière à faire une sorte on va dire d'arc-en-ciel pas un cercle chromatique mais une ligne Chromatique. Et on va voir si euh, on arrive à, à combler un petit peu tous les trous ou alors s'il y a des manques. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a trié un petit peu euh, ces, ces peintures. Alors je précise tout de suite hein, que je me suis basé sur la couleur de la, de la bouteille, de la, enfin du pot, euh, pas sur la couleur qu'on a en vision là sous le pot parce que encore une fois je ne sais pas ce que ça va donner donc j'ai pré préféré euh, me référer à ça. Notamment par exemple si on prend ici un jaune. Euh, hop, on va essayer de le prendre sans tout péter. Hop, ici sur la, sur la bouteille, on voit bien que c'est bien jaune-jaune, alors que quand on regarde ici, on est sur quelque chose de, de rouge-orangé. Euh, donc du coup, je me dis que euh, s'ils ont mis cette, cette couleur-là sur le pot, c'est probablement que c'est cette couleur-là qui est visée en termes de rendu final. Donc on va se fier à ça pour le moment. Et pour le moment, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que la gamme semble assez complète. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, ça peut faire un peu peur. On se dit, bah finalement, on en a combien des pots On en a, euh, je crois qu'il y en a 23 si je ne dis pas de bêtises dans la boîte. Euh, bah on va recompter de toute façon, mais je crois que c'est 23 dont le médium. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, non, c'est 24, 23 si on enlève le médium. Et donc, du coup, avec 23 euh, couleurs, teintes, peintures, dans tous les cas, euh, on peut se dire que bah, c'est un petit peu plus court. Et donc, du coup, ça va euh, être un petit peu plus compliqué d'arriver à obtenir un petit peu tout ce qu'on veut euh, quand on compare, par exemple, à la gamme contraste où il y a davantage de, de couleurs et aussi à la gamme instant de color où il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Maintenant, quand on regarde de plus près, bah on se dit qu'on a quand même vraiment ici, je pense, l'essentiel. C'est-à-dire qu'on va avoir, en termes de couleurs euh, à proprement parler, j'ai extrait, on va dire, toute la gamme de blanc et de gris qui est ici, et la peau qui est un petit peu spécifique. On va dire, là, ici, on va avoir à cet endroit-là les couleurs qui sont un petit peu particulières, puisque la peau, euh, on va être sur, de, sur du jaune-orangé désaturé, donc on va être à peu près par ici, on va dire, euh, et puis le marron, c'est un petit peu particulier, parce que c'est un mélange des trois, des trois, en général, des trois primaires. Donc, ici, on va avoir quand même... Tout ce, a, tout ce dont on a besoin, je pense, en termes de rouge, si on suit bien ce qui est indiqué sur le, sur le pot. On a un jaune qui est bien saturé et un jaune plus sombre qui tend vers le marron qui est plus désaturé. On va avoir deux marrons différents avec un qui semble être plus de type cuir, l'autre qui va sembler être plus de type bois foncé. Donc là, déjà sur tout ce qui est <laughs> pardon, sur tout ce qui est rouge, orange, jaune, marron, on a quand même plutôt ce qu'il faut. Là où j'ai un petit doute, c'est sur la peau. Sur la peau, finalement, on n'a qu'une seule teinte. Et donc, du coup, je me dis que ça réduit le champ des possibles. Euh, après, il faut voir si celle-ci est, est intéressante. Euh, si elle est vraiment efficace, bon, bah, on, on s'en contentera et on sera très content d'avoir celle-ci. Mais c'est vrai que c'est un petit peu limitant euh, en termes de peau. Ensuite... On passe à un violet qui, qui tire plus sur le rose. Donc là, on va vraiment être sur quelque chose, je pense, d'assez saturé, d'assez clair. Euh, puis on a notre violet plus foncé. Donc là, dans les violets, on a quand même ce qu'il faut. Ensuite, en termes de bleu, on va avoir du sombre désaturé, du sombre saturé, du moyen saturé. Donc là aussi, on a ce qu'il qu faut. Il nous manquera peut-être un bleu plus clair. Euh, mais on sait aussi que par le comportement des peintures speed paint type euh, enfin speed paint/ contraste euh, parfois il suffit de diluer un petit peu pour avoir un rendu plus clair donc euh, on verra si en utilisant du médium on peut justement arriver à combler ce petit trou entre guillemets en termes de clarté de toute façon les speed paint les contrastes les instant color ne sont pas euh, entre guillemets euh, faites pour avoir non plus toutes les, toutes les, toutes les valeurs euh, sur une couleur. Elles sont là pour avoir plutôt, elles vont plutôt jouer sur la saturation, on va avoir du désaturé et du saturé, mais la variation en termes de clarté va se faire plutôt euh, du fait du comportement de la peinture, c'est-à-dire en s'accumulant dans les creux et en ne s'accumulant pas sur les reliefs. Ensuite, on passe donc au vert. On a quand même ici, pour le coup, c'est intéressant d'avoir ce turquoise, en fait, qui vient faire le lien entre le bleu et le vert, un petit peu comme notre violet. Alors le rose on va le mettre un petit peu à l'écart, mais le violet qui vient faire le lien entre le rouge et le bleu, là on va avoir un lien qui est intéressant, qui va nous permettre d'avoir une profondeur plus intéressante dans la palette chromatique avec quelque chose qui semble tirer sur du turquoise. Et ensuite en vert, pour le coup on a quand même une belle palette de couleurs, encore une fois si on veut du saturé, du désaturé, si on veut du foncé, si on veut du, euh, du clair, là il y a un petit peu tout ce qu'il faut. Euh, encore une fois, je suis même surpris qu'il y en ait autant finalement, et on finit par euh, cette peinture là, donc le palette bone là qui bizarrement en fait sur la dans la dans le pot semble assez foncé donc on verra ce qu'elle donne. Mais si elle donne ce, cet aspect euh, squelette, bah, finalement je trouve qu'on a quand même une bonne répartition entre encore une fois du saturé du désaturé du clair du foncé. Du... Toutes les couleurs sont présentes, il n'y a pas de trou dans le cercle chromatique honnêtement. d'ailleurs on peut le constater. on, on l'ajuste ici. Euh, et si on prend un petit peu les différentes, euh, les différentes teintes qu'on a ici, et ben on va pouvoir mettre notre bleu ici, on va pouvoir mettre notre violet ici. Alors on peut avoir le rose, le rouge, le orange, on peut le faire comme ça, hein, on peut le faire en cercle chromatique complètement, et on voit que finalement bah, il y a toutes les cases qui sont remplies, puisque là on va avoir donc le orange, on, l a, on a dit qu'on l'avait ici, euh, on va avoir le jaune, ensuite on va avoir un vert, donc qui est ici, hop, on va retomber ensuite sur notre bleu, il y a le liant qui est là au milieu, et on va au final, à, final pardon, avoir notre cercle chromatique comme ça qui est assez complet il va peut-être manquer quelque chose ici un vert un petit peu plus clair qui pourrait être celui-ci même s'il est un petit peu désaturé euh, mais voilà là on a notre cercle chromatique qui fonctionne euh, qui fonctionne plutôt bien donc je pense que ça couvre pas mal les besoins en termes de couleurs maintenant la question c'est aussi eh ben Qu'est-ce qu'on a comme en termes de, de contenant Parce que bon, bah là, on a commencé à bien en parler, donc on l'a vu. Mais qu'est-ce que ça donne Alors, c'est vrai qu'on va avoir euh, l'éternel débat, on va dire. Est-ce que euh, pour des peintures de ce style-là, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir des pots de type citadelle Puisque là, avec le pot citadelle, on mélange, on ouvre, on vient chercher directement dans la capsule et puis on peint tout de suite. Alors là, c'est vrai que on a le pot classique de chez euh, Army Painter, donc ce, ce pot-là qui est euh, qui un pot pipette. Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller chercher directement dans le pot. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le fait que ça soit sur ce format, ça a aussi des avantages. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le premier avantage, c'est qu'on va pouvoir bien plus facilement doser sa peinture quand on va vouloir la diluer. Donc si on dit, je veux une goutte de bonne et une goutte de médium, et ben là c'est très simple, c'est une goutte, une goutte, ça sort avec le pot pipette et c'est pratique à doser. Le deuxième truc aussi qui est pas à négliger, je pense, au vu du nombre de, de, de photos qui pullulent sur Facebook, notamment quand il s'agit de peau renversée en termes de peinture contraste, et bien ici avec les pop pipettes comme ça, l'avantage c'est que si on renverse le pot, il eh n'y ben, a rien qui tombe. Et donc là, pour le coup, ça c'est quand même vraiment intéressant pour, pour ne pas se retrouver avec son, avec son bureau rempli de taches de peinture et accessoirement euh, bah, des pots qui sont, qui sont à moitié vides euh, au bout de deux utilisations tout simplement parce qu'on les a renversés. Donc ça, pour le coup, c'est aussi un vrai avantage. Encore un avantage euh, qui n'est pas négligé non plus, on sait que sur ces peintures-là qui sont quand même beaucoup plus fluides, euh, les pigments ont tendance à tomber plus facilement au fond du pot, et donc du coup ça a tendance à se déphaser plus facilement. Et là, on va l'entendre, dans chaque pot, il y a une petite bille pour mélanger, donc ça c'est vraiment intéressant pour le coup parce que ça permet d'avoir un mélangeage de euh, sa peinture qui est efficace, euh, on va pas se casser le bras pendant 3 minutes il y a la bille qui est là, ça permet de mélanger plus facilement, plus rapidement de mélanger mieux, tout simplement donc ça c'est un vrai plus, et puis bah, accessoirement, une fois que le pot il est vide bah, on peut récupérer la bille pour l'utiliser dans un autre pot euh, donc c'est toujours un set de billes euh, qui est compris dans le pack, qui est compris dans le, dans le prix de cette, euh, de cette gamme un autre élément qui est important à noter, c'est dans le pack, il y a un petit fascicule, Read Before Use. Donc là, c'est toutes les choses qu'on va devoir faire avant d'utiliser euh, la peinture. Ça, c'est toujours intéressant quand même, quand il y en a un, de suivre les recommandations du fabricant, parce que bah, euh, souvent, on va avoir... Euh, moi, je sais que par exemple, sur, sur la gamme Army Painter, j'ai déjà eu des questions concernant euh, l'opacité, la couvrance des peintures. Et parfois, en fait, quand j'en discutais avec mes, avec mes élèves, je me rendais compte qu'en fait, c'était aussi un problème de euh, j'ai mal mélangé mon pot et finalement je peins avec quasiment que du médium qui est sorti parce qu'il s'est accumulé sur le dessus du pot quand on le prend pouf c'est du médium qui sort on essaye de peindre avec ça bien évidemment ça ne fonctionne pas et ben là en l'occurrence il nous explique un petit peu ce qu'il recommande de faire donc ici on a bien le tuk euh, tuk tuk on a les petits les petits euh, comment dire les petits euh, schémas hein, qui permettent de comprendre même si on n'est pas anglophone mais en tout cas ils expliquent qu'ici euh, avec ce stockage on va avoir en bas de la bouteille, ce que j'expliquais un petit peu avant, des, les pigments lourds. Ensuite, au milieu, euh, les pigments, donc du coup, qui. Enfin, ils disent pigments lourds, mais c'est parce que le, le, le pigment est plus lourd que le médium. Donc en gros, les pigments, il y a une accumulation de pigments sur le bas. Au milieu, il va y avoir le médium plus des pigments. Et en haut, il va y avoir de l'air et du médium. Donc là, c'est ce que je disais. Si on peint tout de suite avec l'air plus le médium, évidemment ça ne fonctionnera pas. Donc leur recommandation pour éviter de se retrouver avec une première couche qui n'en est pas une et donc du coup commencer déjà à râler parce que ça ne fonctionne pas ce qui m'est déjà arrivé soit dit en passant euh, il faut secouer un petit peu Hop. ensuite on vide le, le médium qui y a en, en suraccumulation sur le haut de la bouteille Ensuite, on mélange à nouveau et à ce moment-là, la peinture est prête à l'usage. Donc, ça, c'est quand même à noter parce que si encore une fois, on vient prendre tout de suite sans avoir suivi ça, peut-être qu'on va se retrouver avec que du médium, avec quelques pigments. On va trouver ça complètement naze et on va se faire un faux, ju un faux jugement sur la peinture. Ensuite, euh, ils nous font des recommandations aussi. Sur les pinceaux et notamment comment les stocker, euh, comment les utiliser. Donc euh, voilà, éviter de surcharger le pinceau, les stocker euh, plutôt tête en l'air plutôt que tête en bas, éviter d'appuyer, bref, tout ça, euh, vous le connaissez probablement déjà si vous êtes abonné à la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben, c'est peut-être le moment justement de cliquer sur un petit bouton s'abonner. Hein tout de suite, on le fait tout de suite. Hop Donc voilà, donc ça c'est pour euh, tout ce qu'il y a dans le pack. Maintenant, on va passer eh ben, tout simplement au test. Donc là, euh, j'ai mes Night Hunt comme ça qui vont être sous-couchés en blanc. Je dis qu'ils vont parce que j'en ai euh, la moitié qui sont sous-couchés, l'autre moitié qui ne le sont pas encore. Donc là, je vais sous-coucher tout ça en blanc avec euh, la même bombe de sous-couche. Comme ça, ça permet d'avoir euh, une constance pour l'application des différentes teintes. Et on va voir ben, qu'est-ce que donne chaque teinte, à quoi ça va ressembler sur la figurine une fois qu'on aura passé. Euh, tout ça donc là je le dis tout de suite, ce ne sera pas un jugement sur euh, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool. Il y a peut-être une phrase ou deux qui vont glisser euh, pendant, euh, pendant le, la, la, la démo, parce que je pense que je vais montrer quand même le passage, le passage sur une ou deux figurines. Je ne vais pas filmer les 23, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais je vais peut-être euh, glisser une ou deux phrases, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif là c'est vraiment de montrer ce que ça donne, c'est vraiment un unboxing. Euh, la partie qui sera plus du test, ce sera dans la vidéo suivante. Alors, je dis non, en tout cas dans une des deux vidéos suivantes, euh, celle qui sera sur le comparatif avec les autres gammes déjà disponibles. Donc, c'est parti. Là, je sous-couche. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 passages euh, avec différentes teintes et on fera un, une petite conclusion. Et je finirai la vidéo sur le déroulé. Donc, pendant quelques minutes, euh, il y aura chaque figurine qui va être à côté du pot. Comme ça, ça vous permettra de comprendre exactement quelle couleur euh, est le rendu de chaque, de chaque pot. C'est parti, on va sous-coucher. Alors voilà ce que ça donne une fois euh, bah que j'ai tout sous-couché, tout simplement. Donc là, c'était un petit plaisir de sous-coucher ces 23 figurines. <laughs> Toujours un régal, la sous-couche. Euh, donc là, elles ont toutes été sous-couchées en blanc. Alors, il y en avait qui étaient pas du tout sous-couchées, d'autres qui étaient déjà sous-couchées parce que c'était des figurines que j'avais achetées d'occasion. Et, euh, et du coup, j'ai tout re-sous-couché entièrement. Au, euh, primer holy charm de chez instant color donc euh, ça, ça fait partie de la gamme instant color de chez scale 75 euh, c'était simplement ce que j'avais sous la main pour tout sous coucher en blanc de manière uniforme et euh, qui était plutôt prévu bah, pour justement des, euh, des peintures euh, dans le style speed paint donc du coup j'ai décidé de sous-coucher avec ça ce qui fait qu'on a un, une sous-couche qui logiquement est égale euh, partout si ce n'est que euh, en dessous il y a déjà eu pour certaines une pré-sous-couche blanche de toute façon là on s'en fout l'idée c'est pas que euh, c'est pas, enfin, voilà, pas que ce soit des jolies figurines, tout ça machin, euh, que la sous-couche soit parfaite. L'idée c'est simplement qu'on ait une base qui soit identique pour tous. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tester chacun de ces 23 pots. Euh, je vais peindre entièrement la figurine avec le pot en question. Je vais la peindre avec le pinceau qui est fourni dans le set. Et donc du coup, on va voir ce que ça donne. Donc là, euh, comme je le disais, je vais probablement passer en accéléré un petit peu euh, euh, sur, certaines, euh, sur certaines peintures. Euh, la première, je vais peut-être la faire comme ça en temps réel. Je vais la faire en temps réel. Euh, mais les autres, je passerai un peu en accéléré. Puis je me ferai même une coupure pour pas que ça prenne trop de temps. Et ensuite, on fera la conclusion euh, là-dessus et on passera au euh, euh, on va dire au showcase. En tout cas, on va montrer chacune euh, de ces peintures réalisé pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc là, c'est parti. Hop, je vais mouiller mon pinceau. Hop, voilà. Et du coup, on va euh, commencer par. Euh, je sais pas par, par là. En fait, on va commencer par là. Donc, on va faire ce qui ce qu'ils disent hein, sur le sur le petit fascicule. Donc, on secoue un peu. Hop. Là, justement, alors j'avais oublié de dézoomer. Hop, là, ici, on voit que la peinture elle est un peu étrange, et donc, du coup, je sais exactement ce qui précise dans le. Dans le petit fascicule. Donc du coup, ça tombe bien. Comme ça, on l'a. Alors vu en direct. Pas vu en direct, mais presque vu en direct. Donc là, j'ai secoué. J'ai sorti la première le premier jet, on va dire. Pour éliminer le surplus d'air de... et de et de médium. Je secoue à nouveau. Et là, tout de suite, on a quelque chose qui est un petit peu plus. Comment dire, un petit peu plus homogène en sortie de peau. On voit même qu'il y a une petite différence de couleur entre les deux. Donc il faut bien respecter ce que dit la notice. Et c'est parti. J'ai fini de peindre chaque figurine avec euh, bah, les différentes teintes qu'on a à disposition dans le set. Donc là, on va juste attendre que ça sèche un petit peu, histoire qu'on ne soit pas, euh, euh, on va dire, euh, pénalisé par la brillance de, de, des dernières peintures. Et une fois que ce sera sec, bah, je ferai un petit, euh, un petit récap' de ce que ça donne. Euh, encore une fois, je passerai à une petite conclusion très rapide sur ce pack, et ensuite, il y aura le défilé de chaque couleur. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai peint et que tout est sec. Euh, donc là, on voit vraiment le rendu final de, de chaque peinture. Euh, alors on voit qu'il y a pour certaines peintures de belles différences. Pour certaines autres, je trouve que la différence n'est pas non plus hyper flagrante. Pour certaines en plus, c'est accentué par la vidéo. Euh, notamment, par exemple, je pense à ces deux-là. Donc là, on a le Sand Golem et le Zealot Yellow. Euh, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, c'est euh, ces deux peintures que je compare ici. Et c'est vrai que la différence n'est pas flagrante, flagrante, surtout à la caméra. En vrai, il y a quand même une petite différence, puisque euh, le Sand Golem est vraiment, je dirais, à mi-chemin entre euh, le euh, hardened, hardened Leather. Pas facile à prononcer, et le Zillot Yellow. Euh, donc voilà. Bref, en tout cas, on voit euh, l'ensemble de la palette que va couvrir cette gamme Speed Paint. Donc il y a vraiment des jolies teintes. Par contre, il y a quelque chose euh, dont je me suis rendu compte ici en faisant la peinture, et euh, on y reviendra plus en détail dans, dans, dans l'une des deux autres vidéos c'est qu'il y a des différences de comportement entre les peintures. Euh, par exemple, si je prends euh, le Palette Bone qu'on a ici, ou même le Plasmatic Bolt qui est ici, on a euh, une peinture, même le, le, le Runic Gray par exemple qui est, qui est très marqué aussi. Euh, ce sont des, finalement des, des peintures qui vont être beaucoup moins couvrantes et on va avoir un rendu sans dilution comme ça. Alors on va faire la mise au point. Donc voilà, sans dilution ça donne quelque chose comme ça, donc c'est intéressant. Mais euh, on note qu'il va y avoir une différence de couvrance et une, malgré une forte accumulation potentielle dans les creux. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, on voit bien sur le bout, juste là, au-dessus de mon doigt, on a une forte accumulation. Sur la hache, c'est pareil. On a une forte accumulation. Ce n'est pas un problème en soi, c'est simplement qu'il faut le savoir, et que là, en l'occurrence, si on veut quelque chose qui soit moins marqué. Que ça et eh bien il va falloir peut-être faire deux passages euh, un petit peu moins lourds on va dire plutôt qu'un passage bien épais bien le bien bien chargé comme j'ai pu le faire à l'inverse on va avoir d'autres peintures donc voilà là j'ai montré sur le, sur le palide bone on peut aussi montrer donc sur le, le plasmatique qui est pour le coup qui, qui est quand même plus couvrant globalement mais qui a un petit peu cet effet aussi on va avoir une forte accumulation là par exemple ici euh, à cet endroit là au niveau de mon pouce et par contre sur le dessus on va être beaucoup plus clair ou encore comme je le disais donc le running gray qui est ici qui est intéressant, mais voilà, il y a une forte démarcation entre la zone la plus claire et la zone la plus sombre, euh, comme on peut le voir ici. Alors il faut faire attention sur ces peintures-là à ces accumulations potentielles qui seraient un petit peu trop marquées. Bien évidemment, tout ça est rattrapable, euh, il n'y a pas de souci avec ça. Mais euh, il y a une différence entre ce type de peinture, et par exemple, ici, je vais prendre le Cloud Burst Blue. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très couvrant. Là, on est quand même sur une passe simple sur une sous-couche blanche. Donc, vraiment, il euh, y a un effet qui est très fort, on a vraiment des ombres qui sont très marquées et quelques petites lumières qui sont assez, euh, assez réduites en termes de taille. Et donc du coup, en fonction de la peinture qu'on va utiliser, eh ben, on n'aura pas le même effet. On va par exemple retrouver un petit peu ce, cet effet-là sur ce violet. On va avoir des ombres très fortes, très larges, qui sont quasi noires, et on va avoir sur le dessus, bon, je vais peut-être réorienter un petit peu la lumière voilà, pour qu'on voit mieux, comme ça. Sur le dessus, sur les zones de lumière, et eh bien là, on a quelque chose qui est très très court en termes de taille, euh, où ressort bien le violet. Bon, là en plus, il y a un effet un petit peu un petit peu brillant du fait de la lumière, donc on ne voit pas hyper hyper bien. Mais quoi qu'il en soit, euh, on, on voit qu'il y a donc plusieurs comportements différents. Je vais refaire la mise au point sur l'ensemble. Hop, il y a plusieurs comportements différents en fonction de la couleur qu'on va choisir. Maintenant. J'ai pas eu euh, de difficultés à appliquer, qu quelle que soit la couleur, elles étaient toutes euh, très très euh, faciles à appliquer. Je vais le formuler dans ce sens-là, ce sera plus simple. Euh, mais voilà, on a, on, a, on a parfois des petites nuances euh, entre, les, entre les peintures, mais globalement, elles sont quand même très pigmentées, elles apportent de belles couleurs. Euh, par contre, en effet, comme, euh, comme je m'en doutais, étant donné qu'il y a une différence... Entre le petit logo et donc du coup la couleur qu'on voit sur le logo et la couleur euh, qu'on voit transparaître sur le pot, on va euh, avoir euh, besoin presque de se faire ce type de nuancier euh, pour, euh, pour juger vraiment de la couleur réelle de la peinture. Euh, je ne sais pas, par exemple ici, sur celui-ci, donc le Slaughtered Red, ici on a l'impression qu'on va être vraiment sur un, un rouge assez foncé. Plus que le Blood Red, par exemple, si on compare les deux. Alors que quand on regarde comme ça, finalement, on a l'impression que le Blood Red va être beaucoup plus foncé que le Slaughtered Red, puisqu'ici on est sur du rouge, alors que là on est sur du marron très foncé rouge, presque noir. Et au final, quand on applique ces peintures, eh ben, le Blood Red va être vraiment un rouge pétant, comme là on peut le voir. Hop, alors je pareil, je vais refaire la mise au point. Voilà. comme on peut le voir ici sur, sur ce Night Haunt, on a vraiment un rouge qui est, assez, euh, qui est assez pétant. Alors que si on prend le Slaughtered Red ici, on va plus tirer sur du Magenta. On va vraiment être sur quelque chose qui est plus rosé, légèrement violacé. Bref, du magenta. Ah, j'ai oublié une petite zone ici. Mais en tout cas, quand on compare les deux, on va vraiment voir la différence voilà ici à droite on a le slaughter dread donc qui est un petit peu plus magenta alors qu'ici on a notre rouge qui est bien pétant donc vraiment le fait de faire euh, il va falloir il va y avoir une courbe d'apprentissage on va dire sur l'utilisation de ces, de ces speed paint, euh, tout simplement parce que on va d'abord devoir, euh, comme à chaque fois qu'on utilise un autre outil, hein, euh, on va devoir apprendre à s'en servir, apprendre quel va être le comportement de chacune de ces peintures pour ensuite pouvoir vraiment les maîtriser, savoir lesquelles il va falloir diluer, lesquelles il va falloir utiliser pure, lesquelles il va falloir beaucoup charger, peut-être certaines un peu moins. Bref, il va y avoir une courbe d'apprentissage, c'est une certitude. Maintenant, on le voit bien ici euh, sur cet unboxing et du coup sur, sur, la, sur les peintures qu'on peut constater ici, il y a quand même une belle palette chromatique, il y, a des, il, y a des, il y a des couleurs qui sont très vibrantes. Je prends par exemple le Magic Blue qui est vraiment très très bleu, qui est très intéressant. Le, euh, le High Lord Blue qui est plus foncé mais qui est très pigmenté aussi, qui est très saturé, qui est très intéressant. Euh, le violet ici, je pense qu'il y a des très jolies choses à faire avec aussi. On va avoir le rouge, on va avoir les marrons qui sont vraiment, qui sont vraiment très pigmentés. Le, le Purple Alchemy ici. Euh, qui est un, un violet rose et, et assez intéressant aussi en termes de couleurs. Au niveau des verts, on a plusieurs choix. On va voir le Plasmatic Bolt, que je trouve très très joli en termes de, en termes de couleurs, en termes de teintes. Bref, il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes. Euh, donc, on va aller creuser un petit peu ça dans une seconde vidéo. Alors pour conclure cette vidéo, qu'en est-il de la disponibilité de ces peintures Eh bien, elles sont déjà disponibles en précommande sur plusieurs sites. Moi, je me suis renseigné sur le site Army Painter, tant qu'à faire, autant regarder directement sur le site du fournisseur. Et en l'occurrence, donc, il va y avoir deux dates de lancement. La première, ça va être le plus petit pack, pas celui-ci, mais le pack qui va en contenir 10, qui va contenir 10 pots. Alors, je peux regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, dans ce pack qui contient 10 pots, on va retrouver le de bone le Zelot yellow le fire giant orange le blue red qui est ici on va retrouver aussi le violet le hive dweller purple on va retrouver le high lord blue donc celui-ci le orc skin celui-là on va retrouver aussi le crusader skin ici euh, le Hardened. Laser qui est ici et enfin le Gravelord Grey qui est ici. On va retrouver ces six pots là dans le pot, dans le pack pardon et ce pack euh, est disponible à partir du 19 février au prix de 45 dollars. Ensuite, on va avoir une seconde sortie qui sera cette fois-ci le gros pack, donc celui-ci qui contiendra toutes ces peintures et qui sera disponible lui à partir du 26 mars, donc un peu plus d'un mois plus tard et qui sera au prix de 99 dollars en tout cas, encore une fois pour euh, si on en juge les précommandes sur le site Army Painter. Et donc voilà les copains, c'est fini pour cette première vidéo concernant l'unboxing de ces Speed J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Maintenant, on va se laisser avec, comme je le disais, le déroulé de toutes les couleurs une à une pour avoir un gros plan et pouvoir juger de la couleur de chaque peinture. Donc il y aura quelques secondes par peinture, comme ça vous les verrez une par une. Et puis ensuite dans le futur, si vous voulez revenir voir bah, à quoi correspond une couleur, il y aura la possibilité de le faire, vous aurez tout ça, ça sert entre guillemets d'une banque de données images sur les speedpaints. Euh, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire euh, bah, quels sont les points que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos sur ce speedpaint, c'est hyper important, parce que moi bien évidemment, j'ai mon idée en tête, mais s'il y a des points que vous voulez absolument que j'aborde, eh il faut me le dire, comme ça, il euh, y a plus de chances que je le fasse, ça ne veut pas dire que je le ferai systématiquement, il faut que ça soit possible et que ça rentre dans le cadre de mes prochaines vidéos. Mais dans tous les cas, s'il y a des éléments que vous êtes, enfin sur lesquels vous, vous posez des questions en tout cas et que vous voudriez savoir en particulier, surtout n'hésitez pas à le dire là dans les commentaires. Bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne préparez pas les prochaines vidéos concernant ces speed paints. Avant de se laisser comme d'habitude, n'oublie hein, pas aussi que tu peux te rendre sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, où j'ai toujours mon petit guide en téléchargement gratuit, le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Euh, ça te permet au passage de t'inscrire à la newsletter. Il y a aussi, bien évidemment, le compte Instagram, la page Facebook, tout ça. N'hésite pas à t'y rendre si tu ne l'as pas encore fait. Euh, comme ça, tu seras tenu informé de toutes les actualités d'apprendre la peinture sur figurine. Cette fois-ci, je te laisse avec le déroulé de toutes les peintures, de toutes les couleurs. Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. D'habitude, n'oublie pas de mettre tout plein de couleurs comme celle-ci dans ta vie. Ciao!